Welcome to the impressive ruins of the Abbey of Villers-la-Ville, built in the 12th century and inhabited by monks for over 600 years. Today, it's mostly frequented by tourists, and I'm here to find out what they think. Van waar ben je precies gekomen? Van Assen. Overijs. La première fois que vous venez ici? Personnellement, oui, c'est la troisième fois. Oui, combien est-ce que vous comptez de dépenser aujourd'hui? Environ de 50 euros par personne. 30 euros, oui. Interesting, but then again, to be able to find out where your visitors came from, where they're going, how much money they'll be spending on site, let's say it's a bit complicated. Maybe there's an easier way to do it. Let's find out. Cédric, nous voilà ici à Villers-la-Ville, une cité ancienne et en même temps, c'est le sommet de la technologie. Expliquez-moi un peu. On essaye d'évoluer, de rester à la pointe, je veux dire, de la technologie avec justement ce projet Big Data qui a été lancé avec Proximus. Il s'agit de mieux comprendre et de mieux savoir qui vient nous rendre visite, quand, comment. On avait déjà un petit peu d'informations avec notre caisse à l'entrée où on demandait la province d'origine des visiteurs. Mais ici, on permet de capturer beaucoup plus d'informations et de la capturer directement de manière automatique. Donc ces informations-là sont super utiles pour nous. Et puis, il y a aussi des informations qui sont utiles, de savoir quelle quantité d'argent ils dépensent dans la région. Et comment est-ce que vous mesurez ça alors? On le mesure avec différents types de données, donc les données forcément des capteurs, mais ces données sont aussi croisées avec les paramètres socio-économiques des profils des personnes, oui. Qui permettent de dire quel est leur niveau d'études, quelle est leur composition de ménage, etc. Aussi des données bancaires qui permettent de savoir quels sont les montants dépensés dans la région, ici, et donc de pouvoir faire un ratio et de comparer justement l'impact économique de leur présence sur place. Donc avant, vous le faisiez comment encore? Donc simplement, le visiteur à l'entrée, on lui demande de quelle province il vient. C'était la seule, je veux dire, statistique de base qu'on avait. So now we know how they did it right here on site, but maybe we should ask the minister. Madame la ministre, bienvenue ici à Villers-la-Ville. Moi, je me demandais, le but du projet que vous avez déroulé ici, c'était quoi? Donc, nous menons au niveau de la Wallonie une stratégie digitale pour développer le tourisme. C'est une des pistes que nous allons développer pour mieux connaître les attentes des touristes et surtout nous adapter, proposer des produits qui correspondent à leurs attentes. Et pourquoi ce site-ci alors? L'abbaye de Villers-la-Ville est un site qui est en grande partie propriété de la région wallonne et qui génère des flux de visiteurs importants qui viennent d'horizons et de régions très différentes. Et donc, c'était une belle opportunité d'étudier ce site de manière plus approfondie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler avec Proximus? Donc, il s'agit en fait d'une opération test, c'est un projet pilote. Et donc, Proximus nous a proposé d'étudier les données à partir donc des visiteurs sur ce site et ça nous a semblait une très belle opportunité de réaliser cela cet été. Et donc, nous sommes maintenant en phase d'évaluation de ces projets pilotes. Nous étudions en fait ce type de technologie, donc le Big Data, pour le développer effectivement dans d'autres sites de Wallonie. C'est important en matière d'analyse du tourisme, mais aussi en matière de gestion des flux. Now, as you can see that the project they've enrolled right here has been proven to be very successful, but I've heard of another project in le Pays des Lacs, and that's where I'm headed right now. I'm right now at Les Lacs de l'Odeur. Right here, they have 1,500 hectares of surface with lakes, and they welcome none less than 1,200,000 people every year. That's enormous, and that's exactly why they decided to do the little exercise. Voilà, Madame Charru, nous voilà ici tout près du barrage des Lacs de l'Odeur. Mais racontez-moi un peu, qu'est-ce que vous avez fait avec Proximus? Sur le site, il y a plusieurs lieux de captage où là, on peut voir principalement par où les personnes arrivent, quels sont le type de personnes qui viennent jusqu'ici, en fait le profil un peu. Ça permet aussi de voir un peu la manière dont les gens se comportent sur le site et donc ça nous permet de pouvoir mieux organiser sur place le déplacement, l'organisation des parkings par exemple. Mmh. Ça nous permettrait
permettrait, avec le tech, de pouvoir envisager un autre type de mobilité, ce qui n'existe pas pour le moment. Et donc, le travail que l'on fait avec Proximus va pouvoir nous aider à imaginer ce qui pourrait être mis en place. Moi, j'aimerais savoir ce que vous savez sur moi, comme données. Alors, par rapport à ce que moi je reçois, les données sont agrégées et anonymisées par Proximus. Donc, ce qui veut dire que c'est par rapport à un quartier de manière générale, c'est par rapport à un ensemble de personnes. Et donc, il est impossible de savoir que vous avez fait ça, puis ça, puis ça, et de le relier à votre personne. D'accord. Et donc, ça permet d'avoir des données tout en étant dans le respect de la vie privée. Proximus. Think possible.